10 minutes, là ils ont un peu d'air, il y a un peu de vent qui est remonté devant le gosier. Après une escapade au Sainte, c'est au gosier que la flotte du TGVT a livré son verdict pour cette cinquième étape, devant un public venu en nombre. Et parmi ces spectateurs, de vrais amateurs, passionnés par cette compétition. C'est un mélange, c'est traditionnel, c'est très sportif, puisque bon, les mecs pour préparer ça, bon, ils sont obligés de faire un peu de salle et beaucoup de sport. Et c'est pour ça que les jeunes, c'est leur point fort, quoi. Là, ils se préparent un mois et demi à l'avance et on voit la différence. Mais sinon, c'est une grande fête, il y a du monde, il y a beaucoup de couleurs et les gens, au fur et à mesure, au fil des années, apprécient et aiment, quoi. J'aime la voile, j'étais ancien pratiquant de voile, donc c'est d'abord l'amour de la voile. Et puis c'est une manifestation majeure quand même pour la Guadeloupe. Et puis il faut dire que j'aime bien le canot de Sainte-Rose de Marcelin Wilbon. Donc parce que c'est un pêcheur, c'est quelqu'un de traditionnel et je l'apprécie. Donc j'aime bien sa façon de faire. Après qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, c'est pas grave, hein, mais bon... On voit, c'est le meilleur qui gagne. Et puis, c'est très tactique aussi, la voile. Hein. Vous savez, hein, c'est pas monter sur un canot et puis faire avancer. Hein. Il y a beaucoup de tactique, beaucoup de pratique aussi à avoir. Quoi. Et puis, c'est beau. Cette étape a aussi réuni des habitués qui ne ratent pas une arrivée du TGVT. Je suis un suiveur des courses. Finalement, ça a été plaisir pour moi d'être là, de voir. La course a été gagnée sur la place du Gosier. Et finalement, Claude Tellier, Jean Forbin et mon cousin Wilbon Marcelin qui a fait quand même un effort, même quand c'est, ça n'a pas été pour lui, parce qu'il avait un mauvais réglage. Mais j'espère que demain, il sera quand même l'un des premiers entre Gosier et Sainte-Anne. Je suis devenu au Gosier, je suis venu voir un peu TGVT. Et ça m'a fait plaisir que Tellier a fait premier et Forbin a fait deuxième aussi. Et c'est super. Hein. Je vais aller faire un tour aussi à Sainte-Anne. Et aussi à Saint-François aussi, voir le TGVT. Manifestation sportive et culturelle qui fait partie du patrimoine maritime guadeloupéen, le TGVT s'impose de plus en plus comme la compétition majeure de voile traditionnelle, tout en mettant en lumière les villes-étapes, favorisant de ce fait le tourisme en cette période de grandes vacances.